Celle-là, c'est ma préférée. Elle fait briller les yeux. Vraiment? C'est moitié prix si t'en prends deux. Waouh! Encore toi? C'est ta boutique? Non, c'est à mon père. Ah. Combien? 800 roupies, s'il te plaît. 800 roupies? Ok, ok. Pour toi, 550. Incroyable. Alors, ton père te laisse souvent seul? Non, il est parti combattre les rebelles. Ah. C'est l'armée indienne qui l'a enrôlé, hein? Non, il était volontaire. Vraiment? Eh bien, si j'étais ta mère, je ne te laisserais pas seule ici. Bon, en voilà 300. J'ai une meilleure offre. 400 roupies plus ganache. Ah, t'es sûre? Il est cassé, regarde. Tu ne connais pas l'histoire? Ganesh s'est battu contre Parashurama alors qu'il gardait la porte de son père. Oui, pour défendre l'honneur de son père Shiva. Et il s'est fait couper la défense dans la bagarre. Intéressant. Mais bon, il n'est pas à vendre. Pile à l'heure. Bon alors, 600 roupies, garde-monnaie. Il te faut un guide. Ah, et ça me coûtera combien? Faut que je monte dans ce camion avant qu'il s'en aille. Bon, ton ganache, tu en veux combien, dis-moi? Il est pas à vendre. Excusez-moi. Quoi? C'était pas mal. T'as un bon coup de poignet. Mais rends-moi mon Ganesh, s'il te plaît. D'accord. Bien tenté, jeune fille. Les gens n'ont pas le droit de traverser le pont, c'est trop dangereux. Écoute, petite, on s'est bien amusé. Mais il faut que tu me laisses maintenant. J'ai un lit de libre dans la boutique, 300 roupies. C'est le meilleur prix de toute l'Inde. Merci, mais non merci. Je dois monter dans ce camion. Mauvaise idée. Les rebelles, ils font du mal aux gens. Écoute, je dois aller aider mon ami, ok? Écoute ça. À mon retour, je t'offre une pizza. D'accord? Ok. Bien. Merde! Oh, fais chier! Monsieur! Attends. Monsieur! Oh, non! C'est mon papa! On mangeait une glace et je l'ai perdue! Je peux pas rentrer sans lui. Ça va, ça va. Qu'est-ce qui s'est passé? Il se tenait juste là. Ah.